body jump, jump. Your body jump, 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 jump. This is some more exclusive music. Titty jump, jump. Make out a jump, jump. Your body jump, 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 jump. But I'm gonna need all of you. Now a jump, jump. Make body jump, jump. Your body jump, 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 jump. Get ready. Like titty jump, jump. Make out a jump, jump. You guys ready to jump? Eh ben vous êtes là, allez au dimanche matin là. Jump. Are you ready? 1, 2, everybody jump! Ça vous rappelle pas quelque chose? Un petit Véronique et Davina. Allez, en attendant que tout le monde soit là, pouvez-vous bouger un peu? On aura besoin un peu de matériel. Serviettes. Bouteille d'eau. Et puis, un petit truc pour surélever, une marche ou une serviette, comme vous avez. Ce que vous avez. Allez, allez. On va bouger un peu. Salut tout le monde, salut les habitués, salut Martha, salut Geneviève, salut Elisabeth, j'espère que vous allez toutes bien. Let's go down. Eh oui, on va se réveiller ce matin. Je crois que je vais réveiller les voisins aussi. Bon, il est 10h, allez, tout le monde est prêt? Je me crois le samedi soir, moi. On perd la notion du temps avec tout ça, hein. Ouais, ça pourrait être l'échauffement, hein. Salut Christophe. Coucou ma maman. Eh ben ouais, tu vas être obligé de danser comme tout le monde. Salut Tiger! Eh, on est fou, hein! On est enfermé et on danse! Allez, on a juste besoin. Soit vous avez des petites choses pour surélever les pieds comme ça, c'est très bien. C'est des blocs de yoga, ça. Hein. Soit vous prendrez votre serviette roulée. Pas de soucis. Les petites serviettes. Ah, ça remémore quelques petits trucs, hein. Eh ouais, un peu de dance floor pour vous réveiller le dimanche matin après le café. Bon, on fera peut-être la teuf et la fête tous ensemble après, hein, quand on pourra. Allez, encore 2 minutes avant que tout le monde arrive. 2 minutes. Des petits trucs pour vous surélever. Moi, j'ai des blocs de yoga, c'est super pratique pour faire le yoga, mais d'autres choses. On va travailler les hanches avec, entre autres, votre bouteille d'eau, mais qui va nous servir de repère. Une petite serviette. Et on a le droit de bouger un petit peu pour s'échauffer. Salut Mondona. C'est dimanche matin, c'est Véronique et Davina. Ah ben Olivier, maintenant t'es obligé de te réveiller. Allez, un petit choré. Allez, on plaisante, une petite minute. Après, on calmera un peu David Guetta pour s'occuper de notre travail. Un petit peu de hanche. Un travail d'épaule. Un travail de gainage, mais vous allez voir. Très simple. Et on finira, une fois n'est pas coutume, par quelques abdos. Quelques abdos. Et ouais, ce matin, c'est dance floor. On est obligé, hein. Dimanche matin, 10h, on a un peu encore pas réveillé. Donc, on se croit comme des jeunes et on y va.
Allez, tout le monde est à peu près arrivé. Même Clément est là. Salut Clément. Allez, on va commencer. Un petit peu de travail très simple pour commencer. Moi, personnellement, j'utilise des blocs de yoga pour plein de choses. Plein de choses. Je vais baisser un peu la musique, même si on la remettra après, même pour les abdos, tiens, pourquoi pas. Voilà. Alors, j'utilise des blocs de yoga pour pas mal de choses. Je ne suis pas un spécialiste de yoga, ça on est très clair là-dessus. D'accord, j'en fais pas faire à mes athlètes, il y a des spécialistes pour ça. Parfait. Par contre, j'utilise cet outil-là pour surélever une jambe. D'accord? Donc, je vous montre un exercice. Et je vais être franc avec vous, c'est l'exercice qui, au début, a saoulé tous mes athlètes, tous mes clients, mes champions, tous. Je les ai tous embêtés avec ça. Dès que vous venez me voir, un jour ou l'autre, vous y avez droit. Salut Michel! En force, les Legoisigos. Alors, pour en mettre un, le but du jeu, c'est pas travailler l'équilibre. D'ailleurs, on peut très bien avoir un appui au sol. Moi, c'est pas un problème. Ce que je veux travailler là aujourd'hui avec cet exercice pour commencer, c'est les différences de hauteur de hanche. D'accord? C'est vraiment ça, 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 ça. Je n'ai pas de rotation, j'ai juste une inclinaison prononcée dans les deux sens. Alors c'est très simple, si vous avez une marche chez vous, c'est encore mieux. Hein. Moi je surélève pour avoir mes 5-6 cm de travail. Je remonte un peu le t-shirt, ne vous inquiétez pas, vous ne verrez pas mes jolis abdos. Voilà, hop, là j'ai la hanche très haute, je relâche. Ah, si je peux toucher le sol, c'est bien, ça dépend de ce que vous avez en dessous le pied. Et je remonte, je relâche. Je remonte, d'accord? Et ça des deux côtés, ça des deux côtés, d'accord? On découvrira peut-être que certains d'entre vous auront une différence d'amplitude ou alors un mouvement beaucoup moins huilé, un petit peu grippé d'un côté ou de l'autre, d'accord? Alors cet exercice-là, je vous en ai déjà parlé, cet exercice-là, il est clair, hein, je suis au backswing, j'ai toujours une différence de hauteur de hanche. Hanche arrière plus haute que la hanche avant, d'accord? Et l'inverse, sauf qu'on met de la vitesse. Je vous avais parlé des trois dimensions du bassin. Hein, on avait vu la bascule avant-arrière, ici, là, d'accord? Antéversion, rétroversion. La rotation, c'est pas la peine de vous en parler. Je vous avais juste bien précisé qu'on a deux piliers. On tourne sur deux piliers, pas autour d'un axe. On est en appui sur deux piliers, donc c'est ellipsoïdal. Okay? Et puis, on n'avait pas vu de travail sur l'inclinaison. D'accord? C'est hyper simple à bosser, surtout si on arrive à identifier par cet exercice-là ou un autre, hein, cet exercice-là, un petit grippé quelque part, voilà. Et surtout, 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 mettez-le dans votre échauffement. Salut Franck, bienvenue, j'espère que tu vas faire les exercices Franck. Hein. Allez, je vous montre, c'est très simple. Là, très haut, je relâche. Très haut. Je relâche, d'accord? Au début, on va être tenté de faire un petit peu de ça et un petit peu de ça. Non, les épaules ne bougent plus, du nombril, tout ce qui est en haut, ça ne bouge plus. Et là, je ne travaille qu'avec mes hauteurs de hanche. Là, je relâche, je relâche. Allez, on y va, c'est parti. 12 droite, 12 gauche, deux séries. Je vais me rapprocher si vous voulez voir un peu mieux. Ah, c'est marrant, hein? Dès qu'il y a de la musique. Dès qu'il y a du DJ, Franck, il est là. Hein. Allez, je te chambre. À bientôt. Allez, c'est parti. Là, je monte. Vous voyez, il y a les lombaires qui bossent, fessiers qui bossent. Hop, je relâche. Je monte. Ça fait deux. Je relâche. Trois. Je relâche tranquillement. Quatre. Je relâche. Essayez de ne pas jouer avec votre genou de l'autre côté. Hein. Pas de flexion de genou. Cinq. Je relâche. 6, je relâche, 7, allez on accélère un petit peu, je relâche. Si vous avez une marche à la maison, au golf, quand vous y allez, c'est le meilleur exercice pour se mettre en route. 8, allez on relâche, vous voyez le point là de ma hanche, là, 10, je relâche, 11, ça doit remémorer des souvenirs à certains qui ont bossé déjà avec moi et qui bossent avec moi,
Ah, ça, c'est un incontournable. Et 12. Hop, on change de l'autre côté. Allez, prêt. On enchaîne. Vous avez vu qu'il n'y a pas de création de sueur. Hein, on est peinard. À part David Guetta, on ne va pas trop se faire mal. Là, ok. Donc, toujours la même chose. Mon point de hanche, il est là. Il descend. Il remonte. Vous voyez déjà, j'ai une différence, moi, droite-gauche de fluidité. De ce côté-là, c'est plus fluide. Là. Allez, on est à 4. 5. C'est pas un travail d'équilibre. Prenez un appui. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Bon, alors j'espère que ma maman a quitté le live. Comme ça, je vais pouvoir me retourner et vous montrer. Non, rien. Je vais rien vous montrer du tout. Je vais juste vous montrer la différence de hauteur pendant que vous continuez à le faire. On est parti. Jambes tendues. Je joue pas avec la flexion du genou. Et là, on est parti. Regardez, je mets la main sur la hanche pour que vous voyez bien. Hop, je monte. Je redescends. 2. Je redescends. 3. Je redescends. Vous voyez la bascule latérale du bassin? 5. Je relâche. 6. Je relâche. 7. Je relâche. 8. Je relâche. Hein. Il y a un petit point de torsion qui peut s'établir ici. 9. 10. 11. Pas de bascule d'épaule. Hein. Et 12. Ok. Hop, on enchaîne tout de suite de l'autre côté. Toujours le même principe pour ceux qui arrivent dans les lives. Je démontre les exos, on les ressent pendant 2 séries. D'accord? Et à la maison, vous les reprenez 4 fois minimum. Avec plus de répètes s'il y a besoin en fonction de votre niveau. Pas de problème. Regardez. Et là, il reste une chose. Montez le son et faire en rythme. Ça vous rappelle pas quelque chose? Ah, on s'amuse bien dimanche matin. Merci Véronique et David. Allez, on est au moins à 10. 11. 12. Ok? Faites très attention à ne pas avoir de mouvement parasite, mouvement compensatoire du haut du corps. Bascule, voire même, flexion du tronc. D'accord? On a tendance à vouloir aller chercher ici un petit peu. Ça marche? J'espère que vous l'avez ressenti. Vous pouvez tout à fait faire la même chose si vous n'avez pas de support. Moi, c'est une variante que je fais régulièrement en échauffement. Je mets les mains sur les hanches, petit enjeu de l'équilibre. Je balade mon genou en bas. Je réfléchis par mon genou-hanche. Tac. Et encore une fois, on peut le faire en rythme. Tac. Tac. Ok ? Voilà le petit travail que je voulais vous faire pour commencer. On va continuer par un job encore plus simple. Encore plus simple. Alors là, je me rapproche pour que vous voyez bien les pieds. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de croiser la jambe avant et faire un T ici avec mes pieds. On ne va pas y arriver à faire le super T. Hein, on aura toujours un pied ici avec des cuisses qui peuvent gêner ou des cuisses qui sont trop contractées. Mais une fois que je suis là, vous avez vu, j'ai une jambe fléchie. Et ben, je me grandis ici pour essayer de tendre cette jambe. Et hop, je reviens. Là, je tends la jambe. D'accord? Donc, contraction des fessiers, travail de hanche en ouverture et celle-ci en fermeture. Ça vous rappelle quelque chose? On en avait parlé, hein? Il y a toujours une coordination ouverture-fermeture des deux hanches. S'il y a besoin, on y reviendra. Là, et je me grandis. Alors là, c'est tout à fait un petit exercice tout bête, pour ne pas dire de gros mots, d'accord? Mais hyper ciblé, hyper clair, d'accord? Fermeture d'une hanche, ouverture, travail ici, tenseur facial à table, petit fessier. Allez, on y va ensemble. Prêt? Je suis ensemble et hop, point de pied ensemble. J'essaie de faire monter, hop, je me grandis. Je me pousse sur les pieds, voilà, et je relâche. C'est parti. Allez, 2, vous avez vu comme ça tire ici? 3, allez, on va à 10. Hop, et on essaie toujours de se rapprocher de ce T là, vous voyez? Même si on n'y arrive pas,
4, 5. Ne vous inquiétez pas, il y a du plus physique juste derrière. Hein. Restez avec nous, on va remonter le son. 7, 8, 9. Ah, ça tire déjà un peu moins. Et 10. D'accord. Hop, même chose de l'autre côté. Là, point de pied, j'essaie d'écarter le talon pour faire un T. Et hop, on y va. 1, 2, je suis limite sur les deux pointes de pied. Hein. 3, allez, j'essaie de grandir cette jambe, même si je ne peux pas être en extension totale. 4, 5, allez, encore. 6, j'essaie d'ouvrir ce pied encore là. 6, 7, vous avez vu comme ça tire un petit peu? 8. Hop, on revient. Encore une fois, ce n'est pas l'équilibre qu'on travaille. Si vous voulez un point d'appui, vous pouvez le prendre. Ça ne pose aucun problème. Il nous en reste 2. Là, à partir du moment où j'essaie de tendre cette jambe, de contracter au niveau bassin, tout ce qui est fessier, d'accord? Les adducteurs également. Encore un. Là, je me rapproche du T. Hop, je pousse. Ça marche? Allez, on peut enchaîner. Hein. Ce n'est pas très dur, ça. Là, pointe de pied ensemble, j'essaie d'écarter le talon, d'un seul coup c'est plus la même histoire ici, d'accord, hop, je grandis, je pousse sur le sol, et 1, allez on enchaîne, 2, 3, allez encore, 4, aïe aïe aïe, ça tire maintenant, hein, 5, 6, pointe de pied, regardez, vous allez presque arriver à faire ce T. Normalement, vous avez gagné en amplitude de la jambe qui croise, du pied qui croise. 7, 8, vous faites de belles danseuses, hein. Je vous vois tous là avec mes mini-caméras. Vous faites de belles danseurs, beaux danseurs, pardon, belles danseuses. Allez, encore un petit. C'est un joli pas de danse. Allez, on enchaîne, dernier. Pointe de pied ensemble, talon, vraiment extérieur et on se rapproche de la barre du T. Allez, 1, 2, 3, je me grandis, je pousse, hein. J'essaie de tendre la jambe avant. On est à 5, il me semble, si je dis pas de bêtises. 6, c'est dimanche, je sais pas compter. 7, 8, ça tire, hein. Vous avez vu qu'en deux séries déjà, 9 et 10. Vous avez vu qu'en deux séries, sensibilisation ici, là, des côtés, voilà. Essayez par exemple de faire votre backswing maintenant, juste par le bassin. Vous allez sentir un peu mieux au bout de deux séries. Alors, que dire au bout de 5? Normalement, il n'y a pas de souci. D'accord? Vous attrapez une gorgée si vous avez besoin. Attention, ça va être un petit peu plus compliqué, un petit peu plus dynamique. Je vais aller me mettre, je vous le montre hein, pendant qu'on... Oui, Tiger, tout à fait. Allez, on va aller se mettre sur les genoux. Coude. D'accord. Attention. On va se mettre en équilibre, comme si on faisait du gainage, mais on ne va pas faire de gainage. On va continuer à bosser de façon beaucoup plus active sur fessier, hanche. Là, et je viens mettre le pied ici. D'accord? C'est un étirement. C'est un étirement. D'accord? C'est une position d'étirement. Là, 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 là. Ok? On va faire 12 gauche, 12 droite. Vous pouvez le voir, mettez une serviette sous vos coudes si vous voulez être confortable, il n'y a pas de problème, d'accord? Comme vous le voyez, ça va étirer au niveau de notre hanche. Et de l'autre côté, je suis obligé d'avoir fessier abdos qui bosse, d'accord? Sinon, je ne tiens pas à la position. Fessier abdos, prêt? On est parti. Hop! On monte le pied sur le côté, là où on peut. Si c'est juste là, c'est là. Si c'est plus haut, c'est plus haut, c'est pas grave. Allez, on est parti. 1. Hop, je remonte le bassin. 2. 3. Si c'est trop compliqué pour vous,
N'hésitez pas à poser le genou. Ici. Là. Là. Ok. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Je vous avais dit que ça allait commencer à être plus dynamique. Ok. On monte dans l'autre sens, on passe sur l'autre côté tout de suite. C'est parti. Prêt. Hop, on y va. 1, je reviens. 2, je reviens. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop là, récupérez une petite gorgée. J'ai tout cassé. Voilà. Ok, vous avez vu que c'est une hanche qui bosse et on est hyper actif, d'accord, hyper gainé. On est parti. Il nous reste encore une série de chaque côté. Encore une fois, vous ne tenez pas les 12 sur coude et pied, c'est pas grave. Mettez un genou à mi-parcours. Faites-en 6 en équilibre. 6 avec un genou qui vous aide. Ok? Allez, on y va. C'est parti. Prêt? On est là. 1. Je relâche. 2. Je relâche. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop. 10 petites secondes de récup. Et on passe sur la suite de l'autre côté. Prêt. 3, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok. Allez, une petite gorgée. Une petite gorgée, après ça va se placer beaucoup plus calme à plat ventre. Vous récupérez votre bouteille d'eau, d'accord? Je pense que ça va aller. Ça va pour tout le monde? Impeccable, ça marche. Si vous avez des commentaires, mettez-les, hein, vous n'avez pas de soucis. Je réponds à toutes les questions au moins après. On prendra 5 minutes encore comme hier. Il y a eu beaucoup de questions hier. On prendra 5 minutes à la fin, voire 10 si vous avez besoin. De toute façon, je n'ai pas le droit de sortir. Hein. Ça marche? Alors, très simple. Je pose ma bouteille soit debout, soit allongée. Ça, ça va être en fonction de comment vous allez pouvoir remonter votre bras. L'idée, c'est à plat ventre, ma bouteille ici ou là, au niveau de mon épaule. D'accord? Tout le monde voit bien. Hop. Voilà. Ok? De l'autre côté, bras tendus, position sieste. Et on peut tourner la tête du côté pour être plus confortable du côté où on bosse. D'accord? Parce que le mieux, c'est d'être sur le front. Ce que vous pouvez faire avec une serviette, il n'y a pas de souci. Sinon, vous posez la tête ici. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est... Hop, je descends à 45 degrés à peu près. Et là, maintenant, je ne vais plus reposer du tout le bras. Le bras ne sera pas reposé sur le sol du tout. Là. 1. Je reviens. 2. Je reviens. 3. Je reviens. 4. Je reviens. D'accord?
On va faire comme ça. 15 remontées. 15 remontées. Sur ce rythme-là, pas plus vite, pas plus lent. Vous êtes prêts? Je vais faire comme vous. Je vais me faire un peu de confort. 3, 2, 1. Vous êtes prêts? Top! Allez, on y va. 1. Je reviens. 2. Je reviens. 3. Au-dessus. 4. Je relâche. Je touche jamais le sol. 5. 6. 7. 8. Et voilà, tout faux. 9. 10. Allez, encore. 11. 12, 13, 14 et 15. Hop, on passe tout de suite de l'autre côté. Même chose. Même chose de l'autre côté. C'est parti. Hop, je suis là. Et on y va. Allez, 1. Je ne touche pas le sol, juste au-dessus. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors pourquoi pour le golf? Vous imaginez bien que ce petit travail ici, d'accord, tout ce qui est là, derrière l'épaule, cette ficelle-là, que ce soit l'épaule plus omoplate, cette ficelle-là, dont on a tellement besoin. D'accord? Allez, on enchaîne. C'est parti. Let's go. La bouteille à la hauteur de mon épaule. Ici, et c'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, allez, on tient encore, 14 et 15, allez, hop. On enchaîne de l'autre côté, vous êtes prêts? Yo! C'est parti! 3, 2, 1, top! 1, 2, 3, je touche pas le sol, toujours en élévation épaule-main. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, allez, ça chauffe, c'est pas grave, allez, 14 et 15. Comme je vous l'ai dit, la petite variante, c'est la bouteille, la hauteur de la bouteille. D'accord? Quand vous le referez, eh ben, essayez de faire bouteille à plat, vous voyez que c'est pas la même chose que bouteille au-dessus. Là. Si vous n'y arrivez pas, bouteille au-dessus, c'est pas grave. Au moins, vous faites le travail sur l'épaule. Si vous y arrivez, bouteille debout, c'est encore mieux. Encore mieux. Ça marche? Bien. On va commencer les acrobaties. Ah, je vois qu'il y en a certains qui me connaissent. Salut Rémi. Rémi Bedu est avec nous, n'hésitez pas. Merci, c'est sympa de ton courage Rémi. Je vous laisse lire le commentaire, je ne vais pas le dire à tout le monde. Je vois que Tiger me connaît bien. Bien sûr. Ouais, mais regarde. Là, il y a une projection aussi. Boum. Ok. Donc heureusement que je ne joue pas au golf comme handball. Parce que sinon, je serais très bon. Je te le dis. Non. Et le mec, le melon. Alors, on va pour l'exercice d'après. Se rapprocher d'un mur si possible. Alors moi, je vais le matérialiser de cette manière. Alors je ne sais pas le côté que vous allez le mieux voir, c'est celui-là, d'accord? En fait c'est très simple,
Vous connaissez l'exercice qu'on fait contre les murs, les exercices techniques. Bon, ben moi je vais me mettre ici, pourquoi pas avec une serviette, hein. C'est pas grave, le but du jeu c'est pas de se faire mal, c'est d'avoir un axe de rotation. Voilà, là. Axe de rotation, parce que je vais être penché. Alors, je vous disais les acrobaties, ça s'arrête là. Hein. Après, main à plat, et on y va. Là, là, d'accord. Donc, je vous ai montré l'exercice. Pliez bien votre serviette. Le but du jeu, c'est pas de se faire mal. Ce que je veux, c'est verrouiller tout cet axe-là, d'accord, y compris les cervicales. Bien sûr, pas ici contre le mur ou pas là contre le mur. Je garde un axe, d'accord. Et un axe à plat. Pas de tête en avant, pas de tête en arrière. Ça marche? On y va? On va faire. Allez, 12 rotations. C'est pas beaucoup, mais c'est pour vous montrer et ressentir les choses. D'accord? Je fais mon petit bricolage. Vous êtes contre un mur, c'est plus simple. Allez, et les pieds en arrière, bien stable. J'ai 3 points, je suis hyper stable. Mon corps, hyper tendu, hyper droit. C'est parti. Et on y va. Là. Regardez, épaule-menton si possible. Épaule-menton si possible. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors normalement, vous n'avez pas la problématique que j'ai qui est de garder l'équilibre parce que moi j'ai fait un montage un peu hasardeux pour vous montrer et être dans l'écran, ok. Si vous voulez, et c'est encore mieux, être sur pointe de pied de façon à ce que le corps soit tendu et vraiment poussé vers l'avant, ça oblige nuque et haut du dos à travailler toute la statique, d'accord. Vous savez les petits muscles hein, près de la colonne vertébrale. Allez, on y retourne. Vous êtes prêts? Mon bricolage est prêt. Là, allez, on y va. Le regard loin devant, s'il y a le mur, c'est pas grave. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, les épaules passent sous le menton. 10, 11, 12. Ok ? Voilà, c'était un petit exercice que je voulais vous montrer. C'est un exercice, encore une fois. Vous arrivez au practice, vous avez votre super serviette qui est propre normalement. Hein. Vous arrivez, elle est propre. Hop, le pylône, boum, et hop, c'est parti. Je peux travailler ma dissociation entre le haut de la... Enfin, toute la tête, la nuque, d'accord. Et puis, mes épaules. C'est un exercice que j'apprécie parce que il est obligé de fixer le bas. Si vous tournez tout, c'est là que vous allez ressentir que vous n'avez plus assez de force et peut-être même ressentir quelques tensions un petit peu embêtantes. Salut Aurélien, bienvenue, un champion de France en plus, Aurélien Douce. Alors, on va finir par deux exercices de la famille de je n'aime pas. C'est ce que j'entends à chaque fois, d'accord. Moi le premier, sinon j'en aurai des beaux. On va faire un peu de gainage abdos ensemble. N'hésitez pas, entre les séries, j'ai pris un petit oreiller. Super Fabien, exactement. C'est ça, un coussin du canapé, un oreiller, voilà. L'important, c'est confortable et solide. D'accord? Alors, oui Elisabeth, c'est du sport. Mais je suis sûr que tu l'as fait correctement. Ça marche. Bon, je vous laisse discuter entre vous. On va passer sur deux exercices hyper classiques. D'accord? Mais comme tout le monde, moi le premier, sont hyper classiques, faciles à faire, mais on les fait pas. On les fait pas. D'accord? Je sais, c'est moi le premier, comme tout le monde, c'est un peu embêtant. On préfère aller taper des balles. On préfère aller faire quelques petites approches ou putts. Alors on va être là, sur les talons. Je suis allongé. Et vous regardez dans le dos,
je suis en contact seulement bas du dos, milieu du dos. D'accord ? Mes épaules sont déjà fermées, relevées. Attention éventuellement à ne pas trop fermer le menton. C'est là où, surtout après cet exercice-là, on peut se faire des petites douleurs, des petites contractures. Donc quand on va travailler, on va chercher à éloigner une main et relever le menton. Pourquoi ? Parce que je vais aller poser ma main à l'extérieur ici. Hop ! D'accord ? Main extérieure, le menton ressort. Là. Et je vais pas plus vite. Là. D'accord ? Alors il y en a qui, comme moi, vont faire 12 pour ressentir l'exercice, voir l'exercice. Et puis il y en a qui peuvent aller jusqu'à 20. D'accord ? J'ai assez de parlotte pour que vous puissiez faire des séries de 20. C'est pas un problème. On est parti, vous avez vu, j'ai déjà décollé ici les épaules. D'accord ? Et on y va. 1. 2. Pas plus vite. 3. Ne bloquez pas la respiration. 4. C'est un grand classique. Faites-le proprement. Je vous l'ai déjà dit, les grands champions, quel que soit le sport, font excellemment bien les choses basiques, les fondamentaux. Ok ? 6, non 7, 8, 9, les épaules décollées toujours, 10, 11, 12, et on continue pour les autres, 13, 14, 15, 16, 17, allez, encore, 18, 19, et 20. Ok, on relâche, on garde la position parce qu'on va enchaîner. Deuxième série, d'accord ? On peut en faire 3, 4, 5 séries. Toujours, ça fait toujours du bien, quelques petits abdos lents en rotation. Allez, on est parti. Prêt ? Allez, go ! 1, j'ai la main sur le ventre, le coude levé. 2, je ne bloque pas la respi. 3, je tourne les épaules. 4, 5, 6, 7, 8, 9, pas plus vite, ça m'intéresse pas, c'est là où on se fait mal au dos, 11, 12, allez sortez bien le menton là, ici sur le côté, 13, 14, on continue pour ceux qui veulent suivre jusqu'à 20, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok ? Allez, je suis gentil avec vous, j'ai un petit cadeau. Et ben, on va refaire une troisième. Allez. Oui, pas plus vite. Non, ça m'intéresse pas d'aller plus vite. Ça m'intéresse pas. On sensibilise pas assez les abdos de la rotation. D'accord ? Donc vraiment, on y va tranquille, on se cadre sur la respiration, j'ai mes deux épaules ici, et on y va. Ça m'intéresse, d'accord ? Plus vite, c'est parce que vous êtes pressé, vous avez un train à prendre. Aujourd'hui on est dimanche, il n'y a plus de train, donc on a le temps. Allez hop, c'est parti. Troisième série cadeau. C'est cadeau, c'est pour votre bonheur. Prêt ? Allez, 1, 2, 3, je souffle, je respire, 6, 7, 8, 9, je croise doucement, l'épaule passe dessus, 10, 11, 12, allez on continue pour les autres, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok ? Alors mon placement pour les abdos, mon positionnement en tant que prépa physique pour les abdos. Bien sûr qu'il faut en faire, mais toujours la même histoire. S'il vous plaît, faites des basiques proprement faits. Plus on met de la vitesse, plus on fait des mouvements parasites ou de compensation. Et surtout, c'est là que les problèmes de dos arrivent. D'accord ?
Donc je préfère un exercice de ce type-là, par exemple, fait tranquillement, 2-3 fois semaine, 4 fois de semaine, d'accord? Alors, il y a les sportifs de haut niveau, de très bon niveau, qui en font beaucoup plus, mais nous déjà, si on en faisait régulièrement, d'accord? Si vous en faites déjà régulièrement, bravo, continuez, compliquez les choses. Par exemple, je ne l'ai pas là à portée de main, mais regardez, j'ai mon élastique ici, il est ancré là-bas, hop, j'emmène mon élastique, ok? J'ai un kettlebell à poids, hop, je l'emmène, d'accord? Vous voyez, on reste sur un basique et on complexifie la chose à partir du moment où c'est fait, tranquille. Ben alors mon Romain, mais non, ça t'a pas ruiné. Alors, une petite question. Oui, Anne-Marie, on se reconnaîtra. Je suis adepte des casquettes. Allez, on va maintenant faire un autre abdo. En tout cas, statique. Un travail statique. D'accord ? Isométrique. L'autre fois, je suis désolé. On a beaucoup parlé, je crois que c'était il y a une semaine et demie. J'ai beaucoup parlé des travaux, des exercices en statique. Et j'avais dit isocinétique. Je suis désolé, c'est pas du tout le bon mot. C'est pas du tout ça. C'est isométrique. D'accord ? Le même angle, le même métrage, on va dire, ok? Ça roule. Alors, un autre basique, mais que j'aime bien, parce qu'on est en statique, vous allez voir. Genoux au-dessus des hanches. J'ai les mains contre mes genoux. Et là, je fais simplement une action de vouloir enfoncer mes genoux dans les mains. Là, là, c'est tout. D'accord? Attention, ne pas avoir le dos creux. Bien placer le bassin, légèrement en rétroversion. Vous voyez, vous pouvez même corriger ici, milieu du dos, hop, je pose. Ok ? Dès que vous avez un dos creux, je parle aussi pour certaines dames qui ont une cambrure naturelle, ce qui est tout à fait normal. Ok ? Essayez de me corriger ça, parce que sur un statique, comme on force, on tire sur certaines lombaires, et notamment le disque qui est entre les deux. D'accord ? Et c'est là qu'on doit se préserver et faire correctement les choses. Donc là, je place mon dos. Ok, là je pense qu'il est bien, la place est bon. Là, genoux au-dessus des hanches. Et on est parti tous ensemble, prêt, 30 secondes. 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, on creuse pas le dos, on creuse pas le dos, on respire. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, je relâche. Alors il y en a certains qui vont dire, ah, ça me tire au niveau des hanches. Oui, c'est normal. Dans un premier temps, c'est les fléchisseurs de hanches qui bossent pour ramener. Sauf que les fléchisseurs de hanches, ils sont directement liés à aux abdos du bas, d'accord ? Qu'on a le plus besoin pour faire cette grosse rétroversion au downswing dans l'accélération. Je vous montrerai dans 2 minutes quand je serai debout, ok ? Donc je suis là, bien sûr il y a un travail de fléchisseur. Il y a les abdos ici qui attrapent le bassin pour le ramener. D'accord ? Qui sont complémentaires des fléchisseurs de hanches. Prêt ? 3. Je place mon dos. 2. 1. Top, c'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Allez, 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 on souffle, on souffle, on souffle. 12. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sentez les abdos maintenant qui prennent la suite. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok ? Exercice simple, correctement placé sur les lombaires. Pas plus, ne jamais bloquer la respi. 20 secondes minimum. Là, on a fait 30. Vous pouvez monter à 40, 50, 1 minute, c'est pas grave. Il faut que ça soit supportable
et que vous sentiez que fléchisseur de hanche appelle les abdos du bas, d'accord? Alors, je vous le rappelle, backswing, je suis ici. Il y a une petite antéversion, voire un plateau, d'accord? Et d'un seul coup, bim, là, d'accord? Ça avec la rotation. Ça avec la rotation. Énorme rétroversion. C'est pour ça qu'on a, je vous en ai parlé l'autre fois, on a appelé les groupes musculaires King. C'est le muscle roi de votre swing, de l'accélération, du gain de puissance. King sur les fessiers, Queen, abdos. Ça, ça vient direct du TPI, King, Queen, parce que c'est les deux qui sont en train de vous faire accélérer le bassin, tout simplement. Tout simplement, d'accord? Et dans le downswing, c'est incontournable. Alors, prenons le temps d'en faire quelques-uns et vous allez voir un petit peu la différence à l'accélération. Ça marche? J'ai fait un peu le tour des exos que je voulais vous proposer aujourd'hui. Il nous reste un petit peu de temps comme hier. Je regarde s'il y a quelques questions. J'ai pas le level. Pierre-Jean, on a tous le level pour préparer son swing. Excuse-moi d'être un peu piquant. Préparer son swing quand on va ressortir. Sinon, au bout d'une semaine ou deux semaines de golf, qu'est-ce qui va se passer? Bon, eh ben, je vais me reposer, je vais faire la sieste. Alors, je dis pas que c'est ton cas, mais on a toujours un petit peu de level, Pierre-Jean, et ça, je le dis à tout le monde, hein, pas que à Pierre-Jean, pour travailler un petit peu des choses, à partir du moment où on cible les choses, d'accord? C'est pour ça aussi que je fais l'effort, pour la plupart des exercices, de vous dire pourquoi ils sont intéressants pour le golf. Je vous rappelle qu'on est un live journal du golf, on n'est pas un live journal du fitness, d'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle... J'ai un kiné-ostéo, Olivier Menoux, qui conseille aux patients pour ne pas se faire mal et rester dans la simplicité. Bien sûr Anne-Marie, hein, je réponds aux questions là, on est dans la partie un peu questions-réponses de fin de séance. Bien sûr, lève un peu la tête, alors attention, hein, lève la tête, là il y a contraction, mais bien sûr, avance la tête et les épaules pour déverrouiller un petit peu et travailler mieux le bas. Bien sûr, pas de souci. N'hésitez pas à poser vos questions, là, je vais regarder les unes après les autres. Très bonne question de Franck. Existe-t-il des exos spécifiques suivant les profils action type? Alors, je débroussaille et j'explique pour tout le monde. Action type, c'est un système pour profiler en fonction de vos... Alors, je vais résumer, hein, mais c'est mieux défini que ça chez action types. Pour mieux savoir vos préférences motrices. Entre guillemets, on profile la personne pour savoir ce qu'il fait de mieux, ce qu'il a comme habitude motrice pour les renforcer et qu'elles deviennent hyper dominantes pour prendre le pas sur les côtés un petit peu négatifs ou les mouvements un peu parasites. Voilà, j'espère ne pas avoir dit de bêtises. Ça, c'est Action Type. Alors, attention, hein, c'est pas résumé en deux phrases, Action Type. Action Type, c'est un énorme truc où on regarde un petit peu comment ça fonctionne entre la centrale de gestion, on va dire ça comme ça, et le reste du corps. D'accord? Donc, préférence motrice, c'est un mot encore trop petit. Ok? Bien sûr, bien sûr. Alors, Franck, je ne suis pas formé Action Type, mais bien sûr que quand on détecte les points forts et les points faibles des gens, des sportifs, des athlètes, des clients, bien sûr qu'on profile les exercices en fonction de ça. Donc, c'est exactement ce que fait aussi Action Types. D'accord? Il profile des exos en fonction de savoir, de connaître, pardon, d'avoir déterminé vos dominantes motrices. D'accord? Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez voir sur Internet, il y a plein de choses. Ralph Hippolyte, Bertrand Terolaz en Suisse, mais aussi un petit peu partout. D'accord? J'ai eu la chance de les croiser. Il y a des très belles choses à faire avec ça. La bascule des hanches, super exercice, car je ne sentais pas trop pour le swing. Tu peux tout à fait encore le refaire pendant que je parle, même dans le vide. Boum, boum. Ce qu'il faut bien que tu regardes, et là, le plus simple, tu prends un club de golf, tu fixes tes mains, et regarde, moi j'ai le pouce ici, qui est sur ma hanche. J'ai le pouce aussi de l'autre côté. Ok? Et là, comment ça se passe? Comment ça se passe?
Ok. Si vous voulez vraiment un repère et que vous avez une perte de sensation, franchement, n'hésitez pas à avoir ce repère du club. Autre repère, mettez-vous devant une glace. D'accord ? Le ressenti plus une image, vous allez progresser beaucoup plus rapidement. D'accord ? Sur cet exercice-là, qui est un peu fin, je suis d'accord avec vous, mais sur d'autres exercices. À l'époque, j'avais ramené des États-Unis une ceinture avec un laser où on ajustait et il y avait une cible au mur. Ça va remémorer quelques souvenirs. Je l'ai encore, je l'utilise un peu moins parce qu'on a d'autres systèmes laser maintenant qui sont utiles. Et puis, je faisais faire avec ce laser la verticale sur la cible, l'horizontale, ça c'était l'échauffement. Et puis, il y avait des 8 de certaines couleurs. D'accord ? Ça s'appelle corps laser, C-O-R-E, plus loin le laser avec un S. D'accord ? Et corps laser, c'est pas les seuls. Hein. Maintenant, il y a d'autres choses. Hein. Il y a motion guidance. Et je faisais travailler, voilà. Et on identifiait très simplement la zone où mon joueur, mon client, mon athlète venait et avait du mal à faire le 8. D'accord ? Parce qu'on avait des 8 très verticaux. Et on avait des 8 très aplatis, excusez-moi. Et puis on avait des intermédiaires. Donc tout ça avec des systèmes de couleurs très simples. Mais encore une fois, j'ai une image, j'ai un ressenti. Si j'ai les deux, je progresse 10 fois plus vite. 10 fois plus vite. D'accord ? Alors Marion me demande si j'ai des exercices pour rééduquer son épaule gauche suite à une fracture du columérus il y a 2 mois. D'accord ? La première chose que je peux te conseiller, Marion, moi je suis préparateur physique. Ça fait... Alors, je botte pas en touche, attention, on est très clair. Mais chacun son métier. Et c'est là où moi j'adore bosser en équipe. J'ai la chance d'avoir des petites équipes, une par-ci, une par-là. J'en ai une dans le 5e arrondissement qui s'appelle l'équipe avec un K. C'est quelque chose d'hyper intéressant. Pour moi, c'est enrichissant parce que je mets tellement de temps. Ça fait déjà 18-19 ans que je suis dans la préparation physique dans 3 sports différents. Je mets déjà tellement de choses à apprendre et ainsi de suite. Bien sûr que j'ai des exercices. Maintenant, le premier avis, c'est l'avis médical. Le deuxième avis, c'est qu'est-ce que je fais pour médicalement mieux récupérer. Je ne parle pas de comprimé, je parle de mouvement. Et là, on est sur rééducation, d'accord. Donc, j'espère que tu en as fait une. Après, bien sûr, et tu peux reprendre les replays, Marion, on a tous les exercices de mobilité d'épaule. On en a fait un, vous savez, là, et ainsi de suite. Ouais, il y en a plein des exercices, sauf qu'il faut que tu les choisisses. Soit avec ton kiné, soit avec ton préparateur physique si tu as la chance d'en avoir un, pour cibler les choses. D'accord ? Avant d'aller sur des multi-amplitudes, je vais appeler ça comme ça, hein, de ce type-là, moi que j'aime beaucoup, on a fait ensemble, hein, on l'a déjà fait ensemble. Des choses qui sont vraiment grande amplitude, avec des rotations, des contraintes, d'accord ? Tout ça. Et bien avant d'aller là-dessus, bien sûr qu'on va aller sur ça. Ça, voilà. Il y a des étapes. Les kinés et les ostéos ont leurs étapes. Personnellement, dès que j'ai en main quelqu'un avec qui je travaille sur l'épaule, sur un problème d'épaule, j'ai mes étapes aussi, d'accord ? Donc, il ne faut pas cramer ces étapes. Ça, c'est vraiment épaule, genou, enfin voilà. Les choses qui sont vraiment incontournables, il ne faut pas cramer les étapes. Il faut aller consulter, tout simplement. Et encore une fois, chacun son métier. Ce qui n'empêche pas, et moi, c'est ce que j'adore, et ce que j'essaie de provoquer à chaque fois dans chaque projet que j'ai, c'est travailler ensemble, des fois même, quitte à être un peu les uns sur les autres, sur les contenus de travail. C'est pas grave, si on communique, de toute façon, on fera avancer la personne beaucoup plus vite. Encore merci, bon dimanche, merci, merci, merci. Alors, Thierry Cochereau me demande quel est le meilleur échauffement avant un parcours, practice ou échauffement physique. Alors là, je vais botter en touche tout de suite, Thierry. On a fait une séance replay il y a 2 semaines, un mercredi, si je ne dis pas de bêtises, d'accord ? Quitte à ce que je te le renvoie, de certains exercices que l'on peut faire en échauffement, d'accord ? Et puis je crois que le lendemain, si je ne dis pas de bêtises non plus, on avait fait une séance pour qu'est-ce que je peux faire après le practice. Ok ? On y reviendra, de toute façon on a le temps, d'accord ?
Donc, Thierry, ne t'inquiète pas. On va revenir sur des échauffements. La semaine prochaine, on ne se verra pas. D'accord ? J'ai des vacances. Waouh, cool ! Pourquoi ? C'est très simple. Mardi, mercredi, vous allez avoir énorme de contenu avec, de toute façon, tous les autres jours aussi, hein, mais avec Arnaud Thiou, c'est la rédaction de Journal du Golf, qui reprennent les créneaux pour faire interview, reportage, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En plus de Lewis, Rémi, salut Rémi si tu es encore là, Guillaume Biojo, évidemment aussi, et puis de John Lawson. D'accord ? Donc, comme vous pouvez le voir, on est déjà 5 intervenants, plus la rédaction et Arnaud Thiou qui reprennent un peu quelques créneaux. Donc, on lève le pied sur le physique cette semaine. On va se retrouver samedi et dimanche. D'accord ? Samedi et dimanche à 10h. Dans la semaine, vous pouvez reprendre les replays de préparation physique. Sans problème. Sans problème. Et je vais rebondir sur la petite question d'Olivier Menou qui est très marrant. Tu pars où en vacances ? Je pars chez moi ! Non mais voilà, je vais continuer à bosser, j'ai mes athlètes en visio, en live, en vidéo, soit les golfeurs et les autres. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'endormir. Et puis, Marion, on va se croiser, alors c'est très bien, si c'est ton quartier le 5e. Parfait, bon attention, hein. Contacte-les, ils font aussi des prises en charge visio en ce moment, puisqu'on ne peut pas se déplacer. Demande Badr, B-A-D-R, voilà. Ok, et puis on se croisera sûrement quand tout ça, ça va se débloquer. Le travail pour gagner en impulsion, c'était très bien. Est-ce qu'on pourra en faire d'autres ? Oui, Christophe. Oui, Christophe. Je rebondis, ça sera ma dernière réponse. On a fait jusqu'à maintenant très peu d'exercices de prépa physique que j'appelle général, avec création de vitesse et explosivité. C'est un énorme travail à faire pour les golfeurs. D'accord ? Un énorme travail à faire pour les golfeurs. Moi, je vous propose un panel d'exercices. On est dans notre salon, on a juste notre corps, très peu de matériel, voire zéro matériel. Qu'est-ce que je peux faire ? Aujourd'hui, j'aurais pu te sortir une chaise et on peut jumper dessus. Seulement, les pompiers sont un petit peu occupés en ce moment, donc on va essayer de pas créer les chutes. Mais voilà, travail d'explosivité, de jump, d'accord ? D'extension. Vous savez qu'il y a beaucoup de golfeurs, vous voyez pas très bien mes pieds, beaucoup de golfeurs qui shotent la balle avec les pointes de pied, y compris, voilà, c'est l'expression d'une énorme puissance. C'est l'expression d'une énorme puissance, d'accord ? On reviendra sur toutes vos questions, je vous répondrai, au fur et à mesure. Je vous souhaite un bon dimanche, je vous rappelle, on se voit maintenant samedi et dimanche prochain, d'accord ? À 10h, samedi, dimanche prochain à 10h avec d'autres exercices. D'ici là, n'hésitez pas à reprendre les replays, d'accord ? Vous shippez un exercice, vous le refaites. Vous vous souvenez que vous avez vu tel exercice, vous le refaites, d'accord ? À partir du moment où les positions sont correctes et les vitesses d'exécution sont correctes, faites bien attention à ça. N'hésitez pas aussi à rajouter, je vous l'ai dit, hein, on démontre les choses, on ressort les choses de série. Je vous le rabâche. Faites 4 voire 5 séries avec un peu plus de répètes. Ok ? Il me reste... Merci pour toutes vos questions. Je vais répondre, ne vous inquiétez pas. Les uns après les autres, je vais passer mon déjeuner en famille à répondre. C'est avec plaisir. Il n'y a aucun problème. Je vous indiquerai des choses. Je vous enverrai des liens pour vous répondre s'il y a besoin. Il n'y a pas de souci. Si vous cherchez un endroit, un matériel, il n'y a pas de problème. Puis il y a des choses que je ne sais pas. D'accord ? Donc justement, cette semaine, pendant que je ne vous vois pas, je vais continuer à aller apprendre. D'accord ? Allez, on se revoit samedi, dimanche. Samedi, dimanche, 10h. J'ai un peu l'impression que vous avez perdu le move, là. Allez, à samedi, à dimanche. Ciao ! Bravo à vous !